En cette fin mars, par un temps gris et pluvieux, nous tombons sur ce château, isolé de tout. Après sa restauration, ce château consistait en un corps de logis flanqué de deux tours. On y remarquait les écuries qui étaient d'une grande beauté. Ensuite, ce château fut dévasté lors de la Révolution de 1789, puis reconstruit en grande partie par son dernier propriétaire, Monsieur le marquis Napoléon de Miramont, qui en a, en outre, embelli les abords par de magnifiques plantations. La belle propriété, qui dépend du château, était, il y a peu d'années, le siège d'une ferme régionale qui a été convertie, le 23 septembre 1852, à un établissement destiné à l'amélioration du bétail et de ses produits pour la région des montagnes du centre de la France. La totalité du lieu est splendide, avec un décor et une ambiance différentes à chaque endroit. La tourelle, avec notamment un corps enterré depuis 1821, beaucoup de choses sont à voir. Il ne faut surtout pas manquer le splendide piano dans son écrin de verdure au pied des escaliers, car celui-ci offre des perspectives de vidéos et de photos tout simplement magnifiques. Edra, alors c'est absolument gigantesque. On n'a pas encore fait la découverte du lieu à l'intérieur, on a fait l'extérieur pour le moment. C'est vraiment très 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 grand. Donc je vous ai fait l'historique en préambule de la vidéo. Maintenant on va faire la visite intérieure et on va voir ce que ça va donner. On est à l'instant dans la première pièce du château. Regardez-moi ça. Regardez sur quoi on tombe là. Il y a deux pianos, les amis. Regardez-moi ça. On dirait un décor de Renaissance. Magnifique fauteuil. Petit tabouret. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, il y a les mots, je ne sais pas si vous le voyez, je vais zoomer un peu. Il y a du français et de l'anglais. Late, en retard. Early, en avance. Donc, déjà, première supposition, bien entendu. Peut-être une... On a enseigné l'école ici. Et donc, l'anglais. Regardez à l'étage, hein, ça a bien, bien, bien morflé. On continue vers là-bas. Là aussi, une belle table. Voilà. Matériel de travaux qui laisse à supposer que tout ça a été abandonné de façon assez précoce. Après ici, alors je sais pas quelle langue c'est. Je pencherai pour l'hollandais. Trepfundvoorlezer. Je pense que c'est du hollandais, ouais. Ou du flamand, j'en sais rien. Un peu bizarre.
Là encore du mobilier. On va complètement détruire. Et là, le matériel d'époque avec un pressoir. Et on va poursuivre tranquillement la visite. Et je vais faire quelques photos de tout ça. À l'extérieur du château, nous sommes tombés sur une église totalement abandonnée, en totale désaffection. On voit quand même les lustres qui sont magnifiques encore. Alors il y en a trois, un, deux, et voici le troisième. Donc on entend quand même que ça résonne. Alors là aussi on voit qu'il y a eu des travaux qui ont été débutés, mais tout a été abandonné. Alors est-ce par faute de moyens financiers ou autre, mais c'est bien dommage. On vient de faire une découverte exceptionnelle. Regardez, on est tombé sur une crypte, des tombeaux, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc regardez quand même, le premier décès date de 1821. C'est assez incroyable. Encore ici. Attendez. Hop, je vais dézoomer un peu. Voilà, on y est. Ça fait penser un peu à l'ordre des Templiers, avec ces sortes de croix, de blasons. C'est vraiment un endroit plutôt macabre. Quand on pense qu'il y a des corps qui reposent ici depuis 200 ans maintenant, c'est pas rassurant. On est monté au premier étage, on est revenu dans le château. Je vais pas vous faire toutes les pièces parce qu'il y en a où il n'y a rien, contrairement au rez-de-chaussée. Mais regardez celle-là encore quand même. C'est vraiment beau. Quelques meubles par-ci par-là. Par contre, un sol qui est vraiment bien 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 abîmé. Donc faire attention. Voilà. C'est ce qu'on appelle un péché. Regardez. La mousse a complètement envahi la bâtisse. On comprend pourquoi. Et quand je vous dis que c'est un péché, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà, ce pauvre piano qui est rongé par l'eau, par l'humidité. Là, pendant que je parle, on entend les gouttes d'eau qui tombent, donc on va pas rester longtemps, bien entendu. Mais regardez-moi ça. Regardez l'état du piano. On va voir. Non, il n'y a plus rien qui marche, forcément. Tout à l'heure, l'autre, il marchait. Je voulais pas montrer, mais il marchait. Et regardez encore. Là, la toiture s'est complètement effondrée. Enfin, c'est même pas la toiture, c'est le premier étage qui s'est complètement effondré. Regardez encore la mousse. C'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Qu'il y a autant de mousse à l'intérieur d'un bâtiment. Et là, le fauteuil qui, lui, a plutôt bien résisté. Et regardez au-dessus. C'est une splendeur, ça aussi, c'est beau. Le fauteuil et les beaux escaliers. Oh, les jeux de cartes. Et les beaux escaliers à gauche et à droite. Regardez encore la mousse avec une personne qui vient de rentrer dans le champ de la caméra. Une inconnue, non identifiée. Et là donc. Et je me tais et écoutez les gouttes d'eau qui tombent.
Voilà, donc merci, au revoir. On va pas s'azarder trop longtemps. Voilà, la visite du château Edra a été terminée, vient de se terminer, pardon. Donc la signification, je vous la donne maintenant puisqu'on me l'a donnée, ça reste à prouver, à légitimer, mais a priori c'est ça, le château Edra par rapport au drap, Edra, parce que au moment où a été découvert ce château, où on a commencé les urbexeurs ont commencé à le visiter. Il y avait, comme j'ai signalé d'ailleurs par hasard, mais il y en avait qu'un ou deux, il y avait beaucoup de draps qui recouvraient les meubles, hein, donc et draps, les draps. Donc ça serait une supposition a priori logique sur le nom donné par les urbexeurs à ce lieu. Voilà, mais bon, un lieu assez particulier puisqu'il est entouré d'une ferme où ça travaille là en face de moi. Il y a une habitation, bien sûr, qu'on n'a pas filmée, qui est allez, peut-être à 15 mètres juste derrière, avec la cheminée qui fume, donc c'est bien habité. Un bâtiment gigantesque, hein, et à côté une comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, une jarre d'église, une chapelle, avec donc une crypte en dessous, avec uniquement des personnes décédées entre 1821 et 1847. Donc ça remonte à une sacrée paire d'années, et comme je le dis à chaque vidéo, bah, c'est un sacré péché, c'est impardonnable même de laisser de tels lieux à l'abandon, de laisser pourrir ces lieux qui paraissent pas si vieux que ça, mine de rien. On a vu des endroits beaucoup plus vieux qui étaient quand même un petit peu en meilleur état, et là c'est terriblement abîmé. Il y a des endroits, il y a même plus de... c'est recouvert de mousse, hein, donc... le délabrement est quasi total, et la dernière pièce notamment qu'on vous a filmé avec le piano, je pense que d'ici 4-5 ans il y aura de fortes probabilités pour que la toiture se soit totalement effondrée et recouvre donc tous ces souvenirs qui disparaîtront, d'où l'importance des vidéos des urbexeurs, parce que c'est vrai que certains sont souvent décriés, mais mine de rien on fait... Oh, hein, je ne me mets pas uniquement dedans puisque je suis loin d'être le seul et je suis loin d'être le meilleur, bien évidemment, mais on permet de faire remonter à la surface des souvenirs du passé ou faire découvrir de nombreuses choses, et je trouve ça assez important, c'est important l'histoire, et donc je continuerai pour ma part encore de nombreuses années si possible à faire cela. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.